cette journée maussade et gris, un peu menaçant, je vais en direction de l'auberge Malater. Et bien voilà, je fais une petite pause, un petit arrêt à l'auberge de Malater. Très sympa l'accueil, je reviendrai y manger tout seul ou entre amis, ça sera sympa. Voilà. Et ça me fait plaisir de partager ces bons moments de tranquillité, de, loin de la ville. Je vais avoir le plaisir de vous montrer la salle de restaurant et la terrasse de l'auberge Malater avec l'autorisation des propriétaires qui ont bien voulu m'autoriser à filmer les lieux et de ce fait de faire connaître ce lieu. Une ambiance chaleureuse. Voilà. À découvrir. Par le biais de ces images, je vous invite à venir à ce lieu magnifique où vous aurez un accueil très chaleureux. Pardon ? Est-ce que je vous offre une bière ? Vous voulez en reboire une ? Je veux bien, oui. Ouais, ça, je vous laisse finir, puis vous nous direz, on vous en donnera une. C'est gentil, merci. Avec plaisir. Moi, je vais apprendre aujourd'hui.
Et donc vous verrez certainement la vidéo prochainement dans 3 semaines. Alors, vous pouvez aller voir sur la page de Malaterre, oui. Auberge de Malaterre, Alice et Bernard, oui. Facebook, oui. Et du coup, publié, si vous voulez, on la publiera sur la page. On a plus de 1000 heures. On a plus de 1000 heures. Ah oui, abonnés, de suivi, ce qu'on appelle. Ah oui, ah oui, c'est gentil. Ce que j'appelle du bouche à oreille, je le dis dans mes commentaires ou dans la présentation de la chaîne, c'est le plaisir de partager. Bien. Je sais que c'est pas raisonnable. Les propriétaires m'ont offert une deuxième tournée de bière. C'est agréable de croiser des personnes sympathiques pendant mes sorties nature. Merci. Merci à vous, les propriétaires de l'auberge Malaterre. C'est un rôti de 7h ou je sais pas quoi, la nuit. Donc il fait chier. Le ciel commence à être un peu menaçant. Heureusement que j'ai mon poncho dans le sac à dos. À protéger mon matériel de vidéo et moi-même, hein, parce que quand je suis parti du parking où je suis garé tout à l'heure à 8h, il y avait un soleil éclatant, magnifique. Comme je l'ai déjà dit, en montagne, la météo, elle change vite. C'est comme ça. Et c'est ce que j'aime. Alors, j'ai commandé la bière furieuse fabrique de bière, Fury. Bière blonde. À boire modérément. Bon. Ah, je vous la recommande. Elle est très bonne. Après ça, je vais quitter ces lieux, continuer ma randonnée jusqu'au Belvédère Château-Julien. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu, mais moi, je l'ai déjà vu il y a plusieurs années et ça me fera un plaisir de le partager en images. Comme je vous l'ai dit au début de l'année, une petite vidéo d'ajustement de ma chaîne. Mes finances sont considérablement réduites, donc je vais faire attention à mes dépenses. Mais ça m'empêche pas de sortir dans la nature, moins souvent que je le désirerais, mais je le fais quand même. Pour garder cette impression de liberté. De l'auberge Malaterre à Château-Julien, la distance un peu moins de 4 km pour 1h20 de marche tranquille.
bien. N'ayant pas vraiment envie de rentrer, je vais bivouaquer. Justement ici, là, au Belvédère Château-Julien. Je vais monter mon campement. Il est quelle heure? Il est 19h. Ça devrait aller. Le bivouac est autorisé qu'à partir très tard en fin de journée. Et le lendemain, 8h, 9h. Il faut que le campement soit levé. Il ne faut pas que ce soit un campement de plusieurs jours. Et puis, ça mettra un peu du beurre dans les épinards, vu que vous m'avez vu qu'une fois en bivouac, ça fera une seconde fois. Avec justement la toile de tente que je vous ai présentée, Lanshan, que j'ai souvent utilisée en bivouac sans filmer. Ce sera une première. Bonsoir. Vous prendrez peut-être pas l'orage aujourd'hui. Comment? Vous prendrez peut-être pas l'orage aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Pour, en plus, je suis très strict avec les règles. Bivouaquer à partir de très tard en fin de journée. Ouais. C'est autorisé. Vous vouliez prendre des photos peut-être? Non, pas du tout. Je suis juste venu prendre l'air. Ouais. Ça vaut le panorama, hein? Ouais. Bon, ben, j'habite juste en dessous alors.
Allez, une Marcus blonde pour changer de ce matin. La capsule, je la mets de côté. Je me servirai de cette petite poche de repas suffisé comme poubelle. Une bonne petite bière avec un coucher de soleil magnifique. Voilà. Essentiellement. Bonjour. Bonjour. Essentiellement, je bivouac en solitaire dans des lieux comme ici, en pleine nature. Et qu'est-ce que je me sens bien. Une sensation de liberté. Je me sens bien. Voilà, un peu mieux installé. J'ai récupéré quelques gros cailloux, ou plutôt des pierres ou des grosses pierres. Je vais profiter de ce coucher de soleil et finir ma petite bière, de tendre, faire mon petit repas, une soirée. J'ai une nouvelle cartouche de gaz pleine, mais si je venais en manquer, de toute façon j'ai toujours ma boîte à feu comme d'habitude. Oh, je suis bien en pleine nature, mon petit matériel pour m'alimenter, pour faire mon petit bivouac, ma toile de tente, mon sac de couchage. Voilà, j'ai l'habitude, je l'ai déjà fait. Certes, vous n'en avez pas vu l'épreuve, ce sera la première fois. Par la suite, il y aura d'autres vidéos de bivouac de temps en temps. Voilà. C'est pas ce que je souhaite montrer le mieux sur la chaîne, en fait. Voilà. Mais il y en aura. Bien, allez, je parle. Je vais faire chauffer mon eau. Thank you.
Voyons ça. Thank you.
Je vous ai mis différents liens dans la description de la vidéo, notamment celle de l'auberge Malaterre. Eh bien voilà les amis, faites comme moi, ressourcez-vous des bienfaits que nous offre la nature, qui nous fait tellement du bien côté santé. Allez, à la prochaine. À très bientôt, les amis.